C'est un rêve, une passion, un espoir, une émotion. Depuis près d'un siècle, ou peut-être plus selon l'endroit, difficile de trouver un sport plus populaire et fédérateur que le football. Que ce soit dans les cours de récré, les bidonvilles, chez soi devant la télé ou même à la radio, quasiment tout le monde a eu affaire avec le ballon rond au moins une fois dans sa vie. Et avec le temps, c'est devenu de plus en plus vrai. Rares sont les journées qui passent sans qu'un nouveau média spécialisé n'apparaisse, qu'un énième débat sur les réseaux sociaux entre les fans de Ronaldo et de Messi ne s'empare des tendances, ou qu'un match, voire un fait de jeu, ne fasse parler de lui. C'est presque une évidence. Au fil des générations, le football s'est émancipé de sa condition de simple divertissement et s'est imposé comme un véritable objet public. Le problème, c'est qu'à force d'être discuté, débattu ou convoité, les gens semblent avoir oublié ce qui faisait l'essence même de ce sport. Ce pourquoi ils en sont tombés amoureux, le jeu. À tel point qu'on pourrait se demander si le foot, c'était pas mieux avant. Alors, quels sont les problèmes du football d'aujourd'hui? Et d'abord, c'est quoi le football d'avant? En réalité, ce n'est pas si facile que ça à définir. Tout simplement parce qu'il y a autant de football d'avant qu'il n'y a de gens, de souvenirs ou de joueurs. De l'ère Pelé en passant par celle de Johan Cruyff, de Diego Maradona ou de R9 jusqu'à aujourd'hui, chaque icône du ballon rond est le reflet d'une époque et de problématiques liées à cette époque. Mais si l'on observe attentivement le siècle d'avant et qu'on le compare avec celui-ci, le nôtre, peut s'apercevoir que certains aspects de ce sport n'ont cessé d'évoluer, à commencer par sa notoriété et son économie. Quelque part, ces deux notions vont généralement de pair aujourd'hui. Quand quelque chose marche, quand quelque chose est populaire, il y a de l'argent à se faire. Ça, les businessmen l'ont bien compris, rassurez-vous. Attention, je dis pas que les footballeurs d'avant étaient payés avec des cailloux, mais quand on prend le temps de jeter un œil à l'état du marché des transferts, la fracture est plutôt balèze. 50 ans en arrière, le FC Barcelone était dans la capacité d'acheter un joueur de la classe et du calibre de Johan Cruyff, contre à peine plus d'un million d'euros. 10 ans plus tard, les Catalans s'offraient même la tête de Maradona pour environ 7 millions de dollars. Et si à l'époque, les gens pouvaient trouver les sommes dépensées par le Barça excessives ou mirobolantes, quelle tête aurait-il fait en voyant Anthony Martial débarquer à Manchester United pour 80 millions? Ou pire encore, est-ce qu'ils auraient fait une syncope lorsque Neymar a signé au PSG? Alors oui, l'arrêt Bosman de 95 y est sans doute pour quelque chose, mais ce serait trop simple de s'arrêter ici pour expliquer une telle inflation. Surtout lorsqu'on voit les sommes dépensées par les clubs anglais depuis l'explosion des droits télé. Rien qu'en 2022, à l'occasion du mercato estival, la Première Ligue a lâché plus de 2 milliards d'euros. Un chiffre si grand qu'il ne veut plus rien dire pour le commun des mortels, encore moins pour les Britanniques. Parce qu'au moment où les gros cylindrés anglais s'amusaient à se battre à coups de billets, les habitants du pays galéraient à finir leur mois convenablement. Néanmoins, ça n'empêchera pas Chelsea et les autres de remettre le couvert 6 mois plus tard lors du mercato d'hiver. Cette fois-ci, les clubs anglais n'ont pas osé claquer le milliard, mais presque. Pourtant, il y aurait bien des solutions pour freiner ces dérives. Les grandes instances du football pourraient, par exemple, limiter la masse salariale de chaque équipe, ou alors mettre en place une sorte de fair-play financier, ce serait bien, non? Puis bon, maintenant qu'on y est, comment ne pas aborder le cas des investisseurs issus des États-Unis, de Russie ou du Moyen-Orient qui prennent d'assaut un club pour en faire une machine à sous? Tout ça, sans prendre en considération les valeurs de l'institution et de ses supporters. Bref, ce phénomène économique a tout de même le mérite de soulever un sacré paradoxe. Comment le sport le plus populaire du monde a-t-il fini par se déconnecter du peuple à ce point? Bah figurez-vous que ça ne s'arrête pas qu'aux à côté du football, c'est bien plus profond que ça. Ah, la Ligue des Champions, son hymne, ses matchs de gala, ses soirées de Saint-Valentin gâchées, elle vous aura sûrement fait rêver par le passé, et moi aussi. Malheureusement, ça ne sera peut-être plus le cas des futures générations. Car si le football s'éloigne de plus en plus des supporters qu'il représentait, l'inverse semble être tout aussi vrai. C'est ce que tend à démontrer une étude de l'ECA, l'Association Européenne des Clubs, parue en 2020. D'après celle-ci, seulement 28% des 16-24 ans s'identifient en tant que fans du sport roi. C'est peu. En tout cas, c'est moins que les générations précédentes. Après tout, comment leur en vouloir? Entre la C1, la C3, la C4, les championnats, les coupes, la Ligue des Nations, les matchs de qualif pour l'Euro, la Coupe du Monde, les tournois de préparation, il y a juste trop de foot, pour les spectateurs comme pour les joueurs. Et on peut aller encore plus loin. Parce que si on ajoute à ça les médias, les émissions spécialisées ou encore les réseaux sociaux, on obtient un cocktail suffisant pour frôler l'overdose. Alors, imaginez un mondial tous les 2 ans. Bref. De toute façon, est-ce que les grands passionnés peuvent encore se permettre de voir autant de matchs? Rien qu'en France, si l'on veut suivre l'intégralité des compétitions, il faut compter une bonne centaine d'euros. On est bien loin de l'époque où l'on pouvait suivre les exploits de Zidane, Shevchenko ou Ronaldinho en clair sur une chaîne publique. Même si c'était occasionnel, les puristes pouvaient se régaler et les néophytes disposaient d'une porte d'entrée toute trouvée pour commencer leur idylle avec le ballon rond.
Certes, il existe encore quelques moyens pas très légaux qui permettent de suivre son équipe ou les matchs qui nous intéressent, mais est-ce vraiment normal d'en arriver là? On parle d'un sport populaire par essence, pas d'un sport qui s'adresse aux élites. C'est triste à dire, mais qu'on le veuille ou non, l'accès au foot est devenu un privilège. Et ce ne sont pas les fous qui ont encore l'audace de vouloir s'aventurer dans un stade pour supporter leur club qui vous diront le contraire. Le prix des abonnements ou même des places peuvent parfois flirter avec l'indécence la plus totale. Il suffit de prendre l'exemple du Parc des Princes, l'écrin du PSG. En 2010, une place en virage coûtait une petite dizaine d'euros. Aujourd'hui, il suffit de faire un tour sur la billetterie pour se rendre compte qu'on en est très, très loin. Tout ça pour assister au spectacle avec une majorité de touristes. Bon, après, le tout reste de savoir si les gens, et plus particulièrement les jeunes, veulent encore voir des matchs de foot. À une époque où n'importe qui peut connaître un résultat ou voir un résumé en quelques secondes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pour 90 minutes où il ne se passera potentiellement rien? Dit comme ça, peut-être pas. C'est un fait. Notre rapport au football a changé. Notre manière de vivre le football a changé. Et si certains aspects de ces changements peuvent être bien pratiques, ils ont aussi laissé place à un autre fléau, la culture de l'instant. La culture de l'instant, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière de penser, de raisonner qui ne se base que sur l'immédiat, ce qu'il vient de se passer. Le danger avec ça, c'est que les adeptes de cette philosophie ont une fâcheuse tendance à occulter des choses importantes comme, je sais pas moi, le contexte ou le passé. Vous me direz, quel rapport avec le foot? On y vient. Prenons le cas des jeunes pépites, les cracks de demain, ceux qui sont censés reprendre le flambeau des légendes qui nous ont fait vibrer. En réalité, ce sont les premières victimes de cette culture de l'instant. Pour eux, le fameux temps d'adaptation n'est qu'une chimère, un fantôme d'une époque révolue. Aujourd'hui, lorsqu'un gamin débarque dans un grand club, il doit être performant tout de suite. À ce compte-là, Mikhailo Mudryk est un cas d'école. Recruté par Chelsea à l'hiver 2023 pour 100 millions d'euros, bonus compris, l'ancien prodige du Shakhtar n'a pas attendu très longtemps pour s'attirer quelques railleries de la part des réseaux. Au bout d'une poignée de matchs seulement, certains lui collaient déjà la petite étiquette de flop, comme celle qu'Odegaard a longuement gardée sur le front. Et ce, qu'importe si l'Ukrainien vient tout juste de quitter son pays en proie à la guerre. Il a coûté tant, donc il doit marquer. Il doit se montrer à la hauteur de la somme et des espoirs investis en lui, parce que les instantéistes ont besoin de rendement, de statistiques pour être satisfaits. A tel point qu'on pourrait se demander si un joueur comme Ronaldinho, qui n'a jamais atteint la barre des 30 buts sur une saison en Europe, pourrait être apprécié à sa juste valeur de nos jours. Puis, si on continue de suivre cette logique, est-ce que la Roma aurait dû virer Francesco Totti parce qu'il était moins prolifique sur les dernières années de sa carrière? Car oui, cette politique intellectuelle s'applique également aux légendes. Aucun traitement de faveur, n'est-ce pas Iker? Et si ce n'est pas à travers le sacro-saint prisme des stats, c'est par le biais de la Ligue des Champions qu'ils jugeront la qualité d'un joueur. En l'espace d'une soirée européenne, un footballeur peut passer du rang de crack à celui de moins que rien, et inversement. Pourtant, ce sport a eu l'occasion de le prouver à de nombreuses reprises. Les seules données qui permettent véritablement de mesurer les limites et le talent intrinsèque d'un joueur ne sont autres que le temps, la régularité et le recul. Mais après plus d'une décennie de ballons marqués par les chiffres lunaires de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, peut-être que la perception des performances a été définitivement déréglée. Au début des années 2000, marquer une vingtaine de buts en tant que pensionnaire du Big Five suffisait amplement pour être convaincant. Aujourd'hui, c'est presque devenu le minimum syndical si l'on veut être considéré comme un bon joueur, ni plus, ni moins. En revanche, il y a quand même plus de positifs que de négatifs à retenir de cette rivalité stellaire. Ces deux ovnis sont la preuve incontestable que le niveau du jeu n'a cessé de s'élever de génération en génération. Le terrain, c'est probablement l'un des seuls gagnants de ce football 2.0. On est bien loin du début des années 60 où Pelé et Garrincha ridiculisaient des roturiers ou des pères de famille. Désormais, chaque équipe représente un challenge, même pour les cadors. Car si auparavant les petits passaient le plus clair de leur temps à se faire fracasser par tout le monde, notamment lors des rencontres internationales, avec le temps, c'est devenu de plus en plus rare. Et il y a plusieurs raisons à ça. La professionnalisation du football, des clubs, l'évolution des schémas tactiques et leur compréhension, la qualité des infrastructures, des joueurs, le sport roi s'est finalement développé au rythme de son économie. Comme quoi, on ne peut pas en dire que du mal. Et les prestations du Maroc ou du Japon lors de la dernière Coupe du Monde sont là pour en témoigner. La plupart des joueurs qui composaient ces sélections évoluaient en Europe, l'une des places fortes du football mondial, ce qui contraste totalement avec le XXe siècle. Pour que les Nippons s'exportent, par exemple, il leur aura fallu pas mal de temps. On peut noter quelques exceptions comme Yasuhiko Okudera, le premier japonais à avoir foulé les pelouses du vieux continent, ou encore Kazuyoshi Miura, mais ce ne sont que des épiphénomènes. Quelque part, ces épopées mettent aussi le doigt sur autre chose de profondément différent. À travers elles, on peut se rendre compte que l'empreinte émotionnelle du ballon rond
est toujours aussi forte, ce qui, somme toute, est plutôt rassurant. Surtout à un moment où les gens ont plus que jamais tendance à trop rationaliser ce qu'il se passe sur Rectangle Vert, même si, d'un autre côté, on pourrait presque trouver ça étonnant. Reprenons le cas de la reine des compétitions européennes, celle qui n'a plus connu de victoire finale surprenante depuis Porto en 2004. Cette dernière symbolise l'excès de compétitivité dans le football moderne, ce vilain démon qui nous prive de surprises et par extension de certaines émotions. Car même si l'on peut parfois percevoir une anomalie s'immiscer dans le dernier carré, comme l'Ajax ou Villarreal, on sait pertinemment qu'elles n'iront pas au bout. Le maigre panel de vainqueurs est connu d'avance dès le début de la saison. Qu'on le veuille ou non, le système économique sur lequel se base la Ligue des Champions et son format ne sont plus vraiment propices aux exploits collectifs impossibles. Et à force de vouloir devenir de plus en plus compétitive, cette scène de prestige ne l'est malheureusement plus vraiment. Alors, prions pour que l'immonde projet Super League ne voit jamais le jour. Ce serait une catastrophe de ce point de vue. Heureusement, on n'en est pas là. Il reste donc encore de l'espoir pour le football de demain. Est-ce que le football était mieux avant ? La réponse à cette question est totalement subjective, cela va de soi. Les vieux aigris nostalgiques comme moi vous répondront que oui, les nouvelles générations qui découvrent les bons côtés de ce sport, ou ceux qui parviennent encore à les voir tout simplement, tiendront très certainement le discours inverse. Mais il y a bien un point sur lequel tout le monde pourrait se mettre d'accord, et c'est le suivant, le foot n'est pas le seul fautif de son état actuel, tout simplement car les problèmes qui ont été évoqués au cours de cette vidéo ne viennent pas que de lui. C'est un fait. Le sport dans sa globalité a toujours été le reflet des sociétés dans lesquelles il prenait racine. Et le football n'échappe pas à cette règle. La spéculation économique, le consumérisme, la lassitude quasi instantanée. Quand on prend un peu de recul, on se rend facilement compte que le monde du ballon rond a absorbé quelques tares de notre génération, un peu malgré lui. Et après avoir dit ça, on peut aussi assumer que le football d'avant ne reviendra pas. En tout cas, pas tel qu'il était. En revanche, on a sûrement le pouvoir de rendre celui de demain un peu plus sain, en changeant certains de nos comportements, et c'est peut-être l'un des derniers liens qu'il reste entre le peuple et son football. Vous l'aurez compris, cette vidéo était plutôt personnelle. C'était mon point de vue, mon regard sur ce qu'est devenu le football en règle générale. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est incontestable, donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Calmement, je précise, on sait jamais, ne vous énervez pas. Et pour ceux qui étaient d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire non plus, ça me fera plaisir et je me sentirai moins seul. Au passage, c'est la première fois qu'on produit ce genre de contenu sur la chaîne, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on en produira d'autres, bien évidemment. Et puis pour ceux qui ont été jusqu'au bout, je vous remercie, on se revoit très vite. Ciao !